welcome to Verbier for the final of the Freeride World Tour. He's approaching it. Big clip. Goes over the jingle. We are in the Freeride World Tour stop in Verbier. We are waiting for the weather to clear on Bec de Ross. We're all ready to go. It's a beautiful snow and beautiful people. Hier ça s'est pas fait parce qu'il y a eu du mauvais temps toute la journée et on était assez fatigué hier soir rien que d'avoir attendu sous pression. Donc on est monté ce matin et ça s'est tout goupillé assez vite. 10 minutes aux jumelles, prendre l'hélico, monter au sommet, dropper, c'était réglé. La grosse que je saute au milieu, la barre de Xavier qu'il avait ouverte il y a 8 ans en snowboard, je la fais à moitié à l'aveugle parce que je sais exactement où je suis exactement dans l'axe où je dois la sauter. Mais je découvre au moment de l'impulsion jusqu'où je dois aller et du coup je vais un petit peu pas assez loin et je ratterris sur les cailloux. Mais cailloux avec les talons et de la neige sous les pieds, donc ça s'est bien passé, mais c'est quand même pas facile de gérer ces grosses barres comme ça qui avancent beaucoup. Verbier, c'est toujours le meilleur moment de la saison parce que t'as tout le village en bas, qui est plein de monde. C'est un moment où on signe pas mal d'autographes et où on fait des selfies avec des fans, ce qui nous arrive à peu près jamais en montagne. mais c'est sympa justement d'être au contact de la communauté qui nous suit. Ça a payé pour lui aujourd'hui, applaudissements, Michael Bumbes qui remporte l'extrême de Verbier 2018.